Ah, c'est génial, je te réveillais la caméra pointée sur la gueule. Il est 7h15, quoi. C'est l'horreur. Les gars, bienvenue dans... la vie de ma mère. Avez-vous déjà pensé à inverser les rôles, vivre une journée dans la peau de son parent et eux dans notre peau à nous? Eh bien, c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec la personne qui m'a mise au monde, Christine, ma mère. On a échangé nos emplois du temps et elle va vivre dans ma vie d'influenceuse et moi dans sa vie de retraitée. C'est parti! Emploi du temps, Christine, 7h15, réveil, j'ouvre la fenêtre pour respirer l'air frais. Il fait moins 25 ans. Merci. 8h30. Ah bah il est temps parce que franchement, vu à l'heure à laquelle je me réveille d'habitude, regardez Instagram, YouTube et TikTok. Ah bah voilà. Bon. Instagram, donc j'ouvre le téléphone. Médicament contre le Covid sera disponible cette semaine. Oh génial. Ah ouais, mais qui c'est qui l'a fait, bien sûr. Bon, ok. Tiens, ensuite. Je suis sur TikTok. Je sais pas tout ce qu'elle raconte, mais bon, c'est pas grave. Je suis d'accord avec elle. Oh, quelle horreur. Sarcophage. Oh oui, elle a l'air d'aller, tiens, ta copine. Oh, je les connais, ces deux. Je les connais, Malicia et... Mais lire mes messages et répondre aux plus urgents. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, c'est une passionnée de Facebook. On y voit bien, quand même, avec les boucles. Ça zoome l'œil, je trouve ça cool. Sur YouTube, il y a 31 notifications. C'est des trucs de méditation. Je suis sûre que genre, ma mère en écoutant ça, elle s'imprègne de la parole. Elle s'imprègne grave. Attention. En respirant l'air frais. Aux ordres de Raoul, pouvez-vous nous préciser où on en est dans la corrélation vaccin et nombre de cas Covid? Voyez quand même. Non, c'est intéressant. C'est ça qu'on fait de bon matin, ben dis donc. Moi je préfère le faire debout, mais bon. 9h, allez se préparer enfin et se maquiller. Yes! Bon, allez. Ouais, ça va un peu dépasser, non? Ouais, sûrement. Bon, ah ça va, c'est élastique. Ah ouais, très bien. Ça. Ouh là 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 là, à mon avis, je vais les avoir juste au-dessous des seins. Bon, et ça? Red Hot Chili Peppers. Tout à fait mon style. Bien. Bon. Il est génial ce jean, mais je vais le pied, hein, je vais lui laisser le mien, le vieux. Ah ouais, non, moi j'aime bien, hein. Je rentre. T'as vu Nala? Je rentre dans le jean de ma fille, quel bonheur. Bien. Ouais, fond de teint, foundation, donc elle se met ça en fond de teint, le seul problème c'est qu'on n'a pas du tout la même couleur de peau. Je sais pas ce qu'elle va faire. Je pense que c'est ça, c'est l'instinct d'infirmière. De 1, moi je vais quand même me passer ton eau micellaire sur la tronche. Ça fait très laboratoire, hein. J'ai l'impression de me sentir à l'institut là. Ça, c'est fait, on passe de suite au maquillage. Waouh, je vais devoir mettre tout ça sur ma... Ah non, 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 c'est pas possible. Et par quoi je commence? Ah mon dieu, mais pourquoi il y a deux trucs marron, deux trucs... C'est quoi ça? Instant, base, retouche. Alors on va mettre la base. Toujours remonter. Ça évite ça tombe. Elle a vraiment trois trucs. C'est une blague, c'est pas comme ça que je me maquille quoi, d'habitude. Le truc avec l'éponge elle est dégueu. Je sais même pas si elle la passe sous l'eau des fois. Mon avis, non. Putain. Maman, si tu vois cette vidéo, il faut passer de l'éponge sous l'eau et la laver avec du savon. Bon écoute, on va faire comme ça, comme d'habitude, mais ça sert strictement à rien. Genre... Oh là là, ma mère, il va falloir que je te donne des cours, hein, parce que... Oh là là, oh, on dirait que je me suis pris deux yeux au beurre noir. Très belle cette palette, je l'utiliserai pas, mais elle est très belle. Ah, le blush, il est genre rose volcanique. Je vais ressembler à Picasso avec ça. Ok, donc là... Oh. Non. Mais c'est trop rose, maman. Mais pourquoi tu mets ça? Faut surtout bien étaler parce que le pinceau, il a pas l'air vraiment très efficace. Ah ben là, j'ai pas mes mines, hein. 8h du matin. Pas mal, c'est bien. Ouais, j'aime bien. Franchement, voilà. Voyons, maintenant, 9h45, prendre sa photo look. Oh ben dis donc, du jour et faire une story. Ah bon? Et qu'est-ce que je fais comme story? Ah non, j'ai pris une photo là, non? Comment on fait une story? Alors c'est bien de faire une story, mais là j'ai pris ma tête. Non, c'est pas bon, je fais... Oh, qu'est-ce qu'il dit ça? Oh là là, c'est écrit en anglais en plus. Cancel, je sors. Alors, maintenant,
c'est blanc, c'est normal. D'accord. Non, je sais. Il n'y a pas le son. Petit déjeuner préparé. Avec ça, je regarde les nouvelles sur mon tel. Donc là, on scrolle pour voir les nouvelles. Ça, c'est vraiment son genre de nouvelles. C'est la vérité. Ah tiens, on va aller faire. Christine, ton mot pour 2022 est nouveau. Nouveau départ, nouvelles opportunités, nouvelle toi. Donc ça, ce serait le genre, on va partager sur Facebook. Typique comment elle le fait. Bam, c'est partagé. Coucou les amis, voilà, aujourd'hui c'est moi, Delphine. Donc je vous montre mon chef-d'œuvre, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. Il y a une tempête de neige ici, donc voilà. Je sais pas trop quoi dire. Alors, je vous souhaite une très belle journée, peut-être même une soirée, parce que, bon, on est en décalage horaire. Et, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, moment pour faire son lit. Là, elle a dit qu'elle change le drap, mais genre, trop compliqué de changer le drap. Là, je le fais pas. Moi, j'ai fait mon lit récemment, laisse tomber. Hop. On y voit que du feu. 9h15, je regarde par la fenêtre. Non mais c'est une blague, c'est ça mettre à la retraite. Tu admires la neige qui tombe. Je suis en train de me peler le cul par contre. Arrivé au bureau. Je suis encore en retard, mais c'est pas grave. C'est comme Delphine, elle l'est toujours. Oh punaise, il pèse un âne mort. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bonjour. On avance sur les planifications des prochains tournages. Ah super. Donc il va falloir que j'allume cet engin. Ok. Je crois qu'il n'y a pas l'ordi là. Je sais pas si plus on vieillit, plus on a ce besoin de se sentir zen et relax. Mais alors là, moi je suis relaxée, décontractée quoi. On dirait que j'ai dormi pendant 800 ans. Les gars, ça fait 10 minutes que je fais ça. Que je fais le ventilateur. Non mais le tai chi c'est une bonne activité pour pouvoir réaligner ses chakras et maîtriser sa force intérieure et mentale. Mais là c'est bon, j'ai assez maîtrisé là. Non mais là... Là, le problème, c'est qu'il n'y a aucune indication sur combien de temps elle reste, quoi. Sur le papier, c'est écrit qu'elle fait ça pendant genre 40 minutes, mais par contre, je pense pas qu'elle gagne pendant 40 minutes, hein. Ah, c'est bon, là. Là, j'ai la veine dans le front. On passe à la suite. 10h15, réunion d'équipe. Ok. Donc, qui consiste, hein? Un scrum. Pardon? Un scrum. Ok. Et c'est quoi le scrum? Alors en gros, on a 5 minutes maximum par personne qu'on essaye de pas dépasser. Et on raconte ce qu'on a fait hier, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis on fait un petit point sur notre humeur générale. D'accord. Ça s'appelle un scrum. Ouais. Voilà. Bah, okay. Ou... Pourquoi il faut rester debout? Bon bah apparemment ça se passe debout. D'accord. Donc bah, on va faire le point. Parfait. Alors moi hier j'ai participé à un tournage. Très bien. Ton humeur? 8 sur 10. Oh ouais. Ok, à moi. Hier du coup j'ai travaillé sur le super projet de cette année qui est l'agenda. Et mon humeur 7. Parce qu'on est en tempête de neige. C'est vrai? Oui. Ça te dérange? Bah il fait moins 26 donc ça... Oui mais tu es à l'abri. Ouais. On fait le ménage pendant 2 heures. Ah non, alors ça, il y a bien une chose que j'aime pas faire, c'est le ménage. Mais c'est vrai que ma mère, c'est une fée du logis. Merci maman. Tous les efforts que tu fais, c'est trop cool d'être une mère. Mais on y va. Activité ménage, j'ai le balai. Bref, donc déjà, on va venir balayer. Franchement, je tire mon chapeau à toutes les mères, à tous ces pères. Ah, je me suis pété la dent. À toutes ces mères, à tous ces pères qui prennent soin de nous au quotidien. 10h20, répondre aux mails. Répondre aux mails. Je suis là. Il faut que j'aille sur répondre aux mails. Donc il faut déjà que j'aille sur la boîte mail. La boîte mail. Ça
le balai, c'est fait. Lingette désinfectante, on nettoie le comptoir. Non mais sérieux, c'est qui laisse traîner tous ces verres, quoi? Putain, j'ai tout renversé, les gars. J'ai renversé l'eau. Non, non, attends. J'ai renversé l'eau complète. Vite, vite, ma leur inondation. Ben, il est bientôt 11h. Ben, j'ai pas trouvé la boîte. Petite enveloppe, peut-être, parce que je cherche quelque chose. Une enveloppe. Ah, j'ai trouvé. Yes. Non, c'est pas ça. C'est prêt à importer vos messages. Non, non, je touche pas. Oula, oula, oula. Donc, c'est pas ça. Bon, bah, j'ai pas répondu au mail, tant pis. Donc, là, il est 11h. Donc, tourner une vidéo YouTube. Je tourne quoi comme vidéo? On t'a tout préparé, maman. Parfait. Prochaine activité. Je m'assois et je regarde de nouveau mon tel. Maman, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il faut que tu fasses une vidéo réaction fail. Ben non, mais comment je fais? Bonjour les amis, aujourd'hui je suis Delphine et je vais vous présenter les pires fails de... et nous allons les commenter. Abonnez-vous ici et cliquez sur le petit pouce bleu. Ça sera super bien. Mais quelle horreur! Ah, il est malade lui! Ah non, mais franchement, franchement. On est toujours là. Donc là, c'est que de 12h à 13h, je bouquine. Oh non, mais j'y crois pas là. On bouge pas, on fait rien. Alors, tournage vidéo, tout ça, c'est fait. 12h, manger en travaillant. Ah ouais? Et on peut pas travailler en mangeant. Je suis tannée de me tiendre dans les seuses qui charissent des patates pourrites qui puent dans des barouettes. On est sur un livre, l'acceptation de soi, une décision. À 18 ans, j'étais toute petite. Traduction là. D'accord, bon, eh ben, cette partie de la vidéo devrait être coupée pour ne pas inciter les gens à faire la même chose. Personne n'incite personne. Hein. Personne n'incite personne. Ah, rien compris, là. Ah, rien compris, hein, mais c'est pas grave. Bon, bisous. Il est 13h, heure de la prochaine activité. Et attention, roulement de tambour, c'est je réfléchis pour manger. Et ça dure 30 minutes. Elle a vraiment écrit ça. Je vais mettre le timer pour 30 minutes de réflexion pour manger. Très bon, c'est reposant. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des repas aussi calmes et reposants comme ça. Direction agence, événement surprise. Nickel. Allez, direction l'agence. Et la surprise, c'est qu'il y a Ben, mon coiffeur, et Jordan, mon maquilleur, qui sont venus spécialement pour une belle mise en beauté et un beau shooting photo. Et donc aujourd'hui, Ben il est là pour toi. Arrête. Oui. Merci. Et Jordan est là pour toi aujourd'hui. Right. Voilà. Un thé. Sérieux là? Je vous jure les amis. Là moi c'est le repos. J'ai mis le cerveau sur off. Il y a rien. Il se passe rien. C'est trop cool. Parfait. Donc c'est parti pour le thé. C'est bien quand on a la petite journée relax. Alors, prochaine activité, à 14h15, en même temps de boire son thé, j'appelle mon ami. 35 minutes. Alors, on appelle la meilleure pote. Allô? Ma parole, tu travailles pas?
Qu'est-ce que t'es folle, toi, pauvre. Ben non, c'est mon jour de repos aujourd'hui. Ah merde, tu dormais? T'as vu ma voix d'outre-tombe. Et comment ça se fait? Je sais pas, j'ai même pas le Covid. J'en ai marre. Je me tape de l'homéopathie. Les trucs qui font faire caca. Et voilà. Pour rien. Hein. Eh ben, dis-toi que t'es enregistré là. Pour la prochaine vidéo. Non, c'est énorme. Bon, enfin, alors, et vous, comment ça va, les filles? Eh ben, ça va. Aujourd'hui, on tourne une vidéo où je suis dans la peau de ma mère. Je vis comme elle pendant toute une journée. Oh putain. Alors, il fallait appeler une amie. Donc, je t'appelle. C'est bon. Bon, ben, gros bisous. Repose-toi bien. Ça marche. Et gros bisous à toutes les deux et profitez bien. Et belle soirée. Gros bisous. 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 Ciao. 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 Excellent. La prochaine activité, passer la serpillière. On l'a fait ce matin. Oh non. Ma mère, mais qu'est-ce que tu fous? Bon, ben, on y retourne, quoi. C'est genre, c'est déjà prêt quoi, déjà passé. Non mais pourquoi elle passe, genre elle fait deux fois le ménage par jour, ça c'est pas maniaque, laisse tomber. Je sais pas. Les amis, qu'est-ce qu'on fait quand on a passé une journée à lire, à écouter des conférences, à regarder toutes les nouvelles sur Facebook, à avoir fait du ménage? Et ben quoi de mieux que de se détendre, parce que c'était une journée très compliquée, hein? Puzzle sur mon iPad. Oh la vie de nos lives quoi. Il est 19h, je suis toujours au bureau et j'ai hâte de me poser. Vraiment, vraiment, c'est... Eh ben, sérieux, la vie de retraité, là, c'est du bonbon. Voilà, mes amis, notre vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ben, on se reverra à un autre moment. Bye bye! N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le petit pouce bleu. Aloha! Parfait.